Yahoo du Mancha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui on va être donc sur la pile à lire pour ce mois de mai. Donc si la suite t'intéresse, continue. Donc pour ce mois de mai, il va y avoir quand même pas mal de séries différentes à lire. Notamment, je vais commencer le mois, je pense, avec Et plus si affinité, un manga terminé en 2 tomes des éditions Agatha qui est sorti donc le 7 mai. Moi, le jour où je filme cette vidéo, on est le 1er mai et je viens de le recevoir dans les derniers jours, le colis. Donc je vais les lire, comme ça je te ferai une vidéo assez rapidement. Ensuite, ça va être à peu près dans l'ordre de lecture, mais il y aura du coup L'ami de ma fille des éditions Meiyan, qui est une série du coup terminée en 7 tomes. Il y a aussi 2 mangas que j'ai à Bordeaux qui sont Fleur Bleue et Alors. Plus j'ai aussi le tome 3 du coup de Aubin les Yankees. Toujours avec les éditions Naban, je lirai les 6 tomes, l'intégralité de Boss ou Crève. Au cas où j'ai donc présenté déjà les 2 premiers tomes de Boss ou Crève à l'époque de leur sortie, donc d'il y a un peu plus d'un an maintenant, 1 an et quelques mois. Mais voilà, donc Boss ou Crève à lire en entier. Et ensuite, je vais me tourner pour ce mois de mai, non pas sur du yaoi, mais plutôt sur du yuri. Donc à savoir que là, ces derniers jours, j'ai lu 3 yaoi, c'est ça. Et que là, donc du coup, j'ai parlé de Fleur Bleue, donc ça fera 4. Je pense que je ferai 2 fois 2 vidéos de 2 yaoi. Et j'ai 4 yuri des éditions Meiyan à lire. Donc j'ai I'm in love why... Alors je vais toujours mal le prononcer ce mot, W-I-T-H. The Villainess. Voilà. On a aussi Todoroko-san. Notre été éphémère. Il y aura aussi le manga The Moon on a Wing Night. Donc tout ça, ce serait une critique tome 1 uniquement. Et après, si je vois vraiment que j'aime le manga, j'irai plus loin. Parce que je crois qu'on doit avoir au moins 3 ou 4 tomes de chaque volume de sortie. Je te mets les informations des nombres de tomes actuels et tout ça. Et même au Japon à côté de moi. Donc voilà, je crois que du coup, donc il y a 7 tomes pour l'ami de ma fille, 6 tomes du coup pour pour Boss ou Crève, Aubin les Yankees, donc ça fait 7 et 7, 14, 15 avec Fleur Bleue, 16, 17, 18, 19, 20, 21 avec les 2 mangas de Akata. Et donc le manga numéro 22, je pense que je ne vais pas mettre plus parce que n'oublions pas qu'il y a aussi les webtoons qui m'intéressent. Sachant que il y a ce titre-là, j'ai plus le nom en tête, je sais que c'est un que j'ai lu il n'y a pas longtemps, qui s'est terminé il y a peu sur webtoon. Donc du coup je pense que je vais full me concentrer dessus. Plus j'ai commencé aussi un webtoon qui était en série terminée mais avec très peu de chapitres, genre 50, donc je me dis aussi que je vais m'y intéresser. Et je dois toujours terminer Crush of Lifetime, donc je vais surtout me concentrer je pense sur Crush of Lifetime plus l'autre titre qui est en 50 chapitres, et l'autre ce sera pour le mois de juin. Donc pour terminer, si j'ai le temps, donc celui-là vraiment je le garde en tout dernier, ça sera Orgrest des éditions Ankama que j'ai acheté grâce aux 48 heures de la BD. Voilà, donc ça aussi c'est un manga français, je tiens à le rappeler, normalement, pas pour Europe, c'est pas marqué, mais potentiellement. Bref, toujours est-il, en tout cas c'est les éditions Ankama, c'est la même maison d'édition que Urban, c'est pour ça que je m'y suis intéressée, honnêtement. Donc cette vidéo est à présent terminée, j'espère de tout mon cœur qu'elle t'aura plu, je sais qu'elle a été assez rapide, je vois bien qu'elle fait que 6 minutes. Mais j'espère de tout mon cœur qu'elle t'aura plu. Je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure. N'oublie pas de me mettre en commentaire, bien entendu, ce que toi tu envisages de lire. Est-ce que justement tu es team yaoi ou team yuri? N'hésite pas à me mettre tout ça en commentaire pour savoir justement si je dois présenter un peu plus souvent les yuri. Et sur ce, à bientôt! Précédente vidéo ici. Ma tête de panda pour t'abonner, les réseaux sociaux et le compte Vinted dans la barre d'infos, des codes promo pour pas mal de sites, les liens vers mes autres réseaux sociaux de mes autres mondes et d'autres informations. Bye!